foundations of this complex region and the challenges it faces today the history of the balkans is rich marked by conflict conquest and cultural exchanges but also it is marked by external influences and national aspirations that combine to shape the region's political and strategic map we will have the opportunity to examine these political and geopolitical dynamics in depth and to grasp their implications for the future. But first, one question What kind of Europe are we talking about precisely? Is Southeast Europe a geographical reality? This region of Europe is often referred to as the Western Balkans, but Southeast Europe is a wider region. That encompasses not only the Western Balkans, but also other countries in the southeastern part of Europe, such as Romania, Bulgaria, Greece, and sometimes even some parts of Turkey. This broader definition takes into account the historical, cultural, and geopolitical interactions between these countries and their links with other parts of Europe. As you can see, the panel here is very diversified. Uh, together, I'm convinced that we. Enrich our understanding of Southeast Europe and help to open up new perspectives for a region that is full of potential. I will leave the floor to the first uh, panelist, General Bertrand Ractmadou, on my right. He will be talking in French, so if you want to put your headsets, uh, headsets on. Um, Général Bertrand Akhmadou will uh, talk about the history, uh, a complex and very eventful history of the Balkans to set up the place, and then we will look at uh, today and the future with the other panelists. Bertrand. Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. Sans vous infliger un retour exhaustif sur les siècles passés, je voudrais néanmoins rappeler que les Balkans furent longtemps le lieu de rencontre et donc d'affrontement entre l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman. Deux grandes batailles illustrent cet affrontement ancestral, dont la première fut celle de Kosovo-Polier en Serbie en 1389. Elle opposa, comme vous le savez, les princes des Balkans et leurs troupes au sultan Murad Ier qui y trouva la mort. Mais son fils Bajazé obtint la victoire. Cette victoire ouvrit une implantation des Ottomans dans la région pour 450 ans. La chrétienté voulut réagir et une véritable armée de croisés, dont mille soldats français et mille chevaliers français, accompagnés de nombreux princes européens et balkaniques, Affrontèrent le sultan Bayezid Ier à la bataille de Nicopolis, ou Nicopole, au nord de la Bulgarie, à la frontière entre Bulgarie et Roumanie, en 1396. Commandé par Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie, l'armée chrétienne fut également battue et y perdit de très nombreux combattants de grande qualité. Parmi eux, je voudrais citer l'amiral Jean de Vienne. Mort à cheval, qui laissera d'ailleurs son nom à un beau bâtiment de notre marine nationale. Il est notable de constater qu'à cette époque, les alliances étaient déjà très volatiles. Pour preuve, la présence aux côtés du sultan d'un prince serbe qui, ayant été battu à Kosovo-Polier, est devenu le beau-frère du sultan et joua avec ses hommes un rôle majeur dans la victoire à Nicopole contre les chrétiens. Placé aux limites de l'Empire ottoman et de l'Autriche-Hongrie, ce qui deviendra la Yougoslavie sera animé par les rivalités entre les différents peuples de la région. Les uns de religion orthodoxe, plutôt soutenus par la Russie, les autres catholiques, plutôt par l'Autriche et la Hongrie, sans oublier les populations qui se convertirent à l'islam, comme on en trouve en Bosnie, au Kosovo, en Albanie, bien sûr. Après les guerres balkaniques de 1912-1913, qui virent le recul de l'Empire ottoman et l'avènement de la Yougoslavie, eut lieu, comme chacun sait, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche et de son épouse. À Sarajevo le 28 juin 1914 par Gavrilo Princip, jeune serbe de Bosnie. Ce sera l'événement déclencheur de la terrible Première Guerre mondiale. La Yougoslavie ne sera que tardivement libérée de l'occupation germano austro bulgare car il faudra attendre septembre 1918 pour que l'armée d'Orient, du général Franchet des -Prés, ne perce le flanc ennemi à Huskub. Scopier aujourd'hui et obtiennent la capitation de l'armée bulgare. Les Français et leurs alliés serbes et roumains libéreront Belgrade et atteindront Budapest au début de novembre 1918. La Seconde Guerre mondiale n'épargnera pas plus les Balkans, avec une occupation allemande, italienne, hongroise et bulgare de l'essentiel du pays. La Croatie et la Serbie auront un temps des régimes favorables à l'Allemagne. En Croatie, les Oustachis resteront le symbole de cette période et combattront aux côtés des Allemands les mouvements de résistance qui s'organisent. Les Tchetniks, serbes royalistes en révolte contre la collaboration, auront d'abord le soutien des alliés, notamment des Britanniques mais dans un renversement d'alliance dont ils ont le secret ces derniers décidèrent en pleine guerre de soutenir les maquis communistes dirigés par Josip Broz dit Tito composé de résistants communistes serbes mais aussi croates excusez-moi c'est Tito ça en 44 à Rome alors où j'en étais là, ce maquis reçut en fin de guerre le soutien des soviétiques pour libérer Belgrade, puis progressivement le reste du pays. Le bilan humain de la guerre sera terrible, avec des centaines de milliers de morts, dues tant au combat contre l'occupant qu'aux luttes intestines entre Serbes, Croates et Bosniaques, et à l'épuration communiste de Tito. Les appellations d'Oustachi et de Tchétnik resteront symboles de terreur chez leurs adversaires. Le maréchal Tito instaura donc en 1945 un régime communiste autoritaire qui lui permettra de diriger la République fédérale socialiste de Yougoslavie. De ce pays à nul autre pareil, Tito disait avec humour qu'il comptait six républiques, cinq nations, Quatre langues, trois religions, deux écritures et un seul parti communiste, bien sûr. Bien que sous régime communiste, la Yougoslavie gardera une certaine autonomie vis-à-vis -vis de Moscou et du pacte de Varsovie. Le pays sera néanmoins très actif dans le soutien de gouvernements socialistes et de différents mouvements révolutionnaires de subversion, notamment en Afrique. Après la mort de Tito, le 4 mai, 1980, la cohésion entre les six républiques va progressivement s'étioler. Les contentieux et les carnages hérités de la Seconde Guerre mondiale ressurgissent avec violence. La Serbie, dirigée par Slobodan Milosevic à partir de 1983, apporte son soutien aux Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine et utilise l'armée yougoslave, la JNA, comme outil de soutien à sa politique expansionniste. En réaction, la Slovénie, la Croatie aspirent ouvertement à l'indépendance et, à l'issue des élections de 1990, proclament unilatéralement leur indépendance en juin 1991. La Bosnie-Herzégovine, pourtant multiculturelle, les imite en avril 1992. Devant la multiplication des combats et des affrontements entre communautés, notamment à Vukovar, Karlovac, en à Mostar, Dubrovnik, la communauté internationale décide de réagir. C'est la communauté européenne qui entre la première en action en créant l'ICMM, European Community Monitoring Mission, et en envoyant dès l'automne 1991 des équipes constituées de diplomates et de militaires pour essayer de ramener le calme, obtenir des cessez-le-feu locaux et les surveiller. Mais ces hommes dont j'ai eu l'honneur de faire partie étaient sans armes, habillés en blanc, ils héritèrent donc logiquement du sobriquet de marchands de glace. Cette mission qui durera jusqu'en 2000 a néanmoins permis à l'Europe d'avoir en permanence une excellente connaissance de la situation sur le terrain. Mais au cours de l'hiver 1991, le chef néerlandais de l'ICMM a décidé que la langue de travail de la mission serait uniquement l'anglais, compliquant de ce fait le travail des observateurs et de leurs interprètes, sauf pour nos camarades britanniques qui héritèrent du rôle de correcteurs et donc de premiers bénéficiaires de renseignements sur le théâtre. Notons enfin que cette mission fut endeuillée par plusieurs pertes, dont celle d'un de mes camarades français, jeune officier de marine, abattu avec l'équipage de l'hélicoptère italien dans lequel il avait été embarqué par un MiG-21 serbe en janvier 1992. Les Nations unies commenceront à déployer une force de protection, la fort prônue, au printemps 1992, avec une forte participation des pays européens. Constituée d'unités de combat disposant d'armements et de matériel, également peints en blanc, bien sûr, la Force pronu avait une mission d'interposition entre les belligérants et de protection des populations. Malheureusement, au fil des mois et des années, la détermination insuffisante de l'ONU s'est traduite par un commandement trop timoré sur place, affaibli de plus par les caveats imposés à certains contingents par leurs gouvernements respectifs. L'année 1995 marquera une rupture nécessaire après la catastrophe du massacre de Srebrenica, où 9000 musulmans bosniaques furent assassinés par les Serbes, sans que la fort pronu ne parvienne à l'empêcher. Pour la France, l'élection de Jacques Chirac a coïncidé avec une triste affaire de soldats français faits prisonniers à Sarajevo, qui furent libérés par la force à Sarajevo au pont de Verbania. Il s'ensuit une réaction principalement franco-britannique en juin 1995 avec l'envoi sur place de troupes plus puissantes, notamment avec de l'artillerie et des hélicoptères, et demeurant sous commandement national. La suite logique sera la prise en compte de la mission en ex-Yougoslavie par l'OTAN avec la création à la fin de l'année 1995 de l'IFOR Implementation Force, chargée de faire respecter sur place les récents accords de Dayton et Paris. Dotés de conduites à tenir claires et pouvant recourir plus aisément à la force, les soldats de l'IFOR seront davantage respectés par les protagonistes, mettront fin au blocus de Sarajevo et restaureront la liberté de circulation dans le pays. Devant les progrès réalisés, l'IFOR deviendra à la fin 1996 la S-FOR, Stabilization Force. Simultanément, avec la montée en puissance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la recherche des criminels de guerre devient une mission importante dont les forces spéciales des différents pays se feront une spécialité. Pour finir, évoquons maintenant le Kosovo de 1998 à 1999. La milice paramilitaire UÇKA des Albanais du Kosovo, cherchait à obtenir l'indépendance de la province et commettait de nombreux attentats. Elle affrontait régulièrement l'armée serbe, car les Serbes ne voulaient en rien lâcher et rester très attachés à ce territoire du Kosovo. Qui contient de nombreux monastères et surtout le site historique du champ des merles, qui a donné son nom. En mars 1999, au départ de la mission de l'OSCE, les forces yougoslaves pro-serbes chassent de nombreux habitants albanais du Kosovo. Sous la pression de la diplomatie américaine menée par Madame Madeleine Albright, qui soutient plutôt le côté albanais. L'OTAN va vraiment sortir de sa position impartiale et intervient à la fin du mois de mars 1999 pour chasser l'armée yougoslave du Kosovo en, espérant de nombreux, en opérant de nombreux bombardements sur les positions serbes au Kosovo, mais aussi sur le reste du territoire et, comme vous le savez, jusqu'au centre de Belgrade. Notons que ces opérations au Kosovo ont heurté durablement la sensibilité orthodoxe en Europe. L'OTAN obtient un cessez-le-feu et le retrait de l'armée serbe du Kosovo. L'OTAN déploie la CAFOR à la mi-juin 1999, dont la mission est de contrôler le retrait de l'armée serbe et de s'interposer entre les communautés. De nombreux contingents américains et européens armèrent la CAFOR durant de nombreuses années, dont la France dans le secteur nord de Mitrovica jusqu'en 2014. Une administration intérimaire, la MINUC, est mise en place au Kosovo sous les auspices des Nations Unies. LUCHECA est officiellement dissoute. Au total, 200 000 Serbes durent quitter le Kosovo du fait de la guerre tandis que des milliers de réfugiés kosovars albanais ayant fui les combats reviendront s'y installer. Nous en parlions il y a peu, monsieur l'ambassadeur. L'an dernier encore, il y avait des tensions très fortes au Kosovo. J'en ai terminé. Merci beaucoup, général. Je vais changer de place. Ce sera plus simple, sinon je vais vous tourner le, le dos. So. Je voulais remercier... Euh, le général qui a réussi l'exploit de en moins d'un quart d'heure de vous narrer huit siècles d'histoire. Donc ça, c'est fait. C'était le, le film. Moi, je vais me concentrer plutôt sur, le, sur la photo en essayant de, de répondre à, à une question. C'est est-ce que euh, les Balkans, alors passant parfois des Balkans occidentaux à, euh, à un champ géographique plus large, l'Europe le, du Sud-Est, est-ce qu'on est toujours dans une espèce de logique d'un grand jeu qui ne dirait pas son nom, comme c'était le cas euh, avant la, la, la Première Guerre mondiale et, et après, où, euh, quelque part, ces, ces pays seraient comme des pions euh, victimes d'un jeu qui les, qui les dépasse et en permanence euh, euh, sous le, sous le, le risque d'être euh, instrumentalisés, manipulés, influencés, voire, euh, voire pire Alors, je vais faire de manière très, très basique. Euh, la liste euh, des pays qui aujourd'hui ont, ont une influence ou comptent dans le, le devenir et les, les perspectives de, des, pays en, des pays en question. Je commencerai bien sûr par l'Union européenne. On ne parle plus aujourd'hui ni de la France ni de l'Allemagne, euh, mais on parle de l'Union européenne, ce qui est déjà en soi un progrès. Euh, on essaye d'avoir dans le cadre d'une Europe intégrée une approche commune et intégrée vis-à-vis des pays de cette région. C'est ce qui, autrefois, nous a coûté très, très cher. L'alliance de revers contre la Prusse avec la Russie impériale a été, à l'origine, comme le général l'a rappelé, le fait quasi-générateur de la Première Guerre mondiale. Alors, cette puissance régionale qui est l'Union européenne, aujourd'hui, est une puissance d'influence intégratrice parmi les les programmes que défend l'Union européenne avec les Balkans occidentaux, il y a cette idée non seulement de les préparer à l'intégration vers l'Union européenne, mais aussi de les intégrer entre eux pour accéder à des standards communs leur permettant de nous rejoindre plus vite. Donc on est loin de cette logique d'influence où chacun essaie de poser ses pions au risque de déclencher des catastrophes à une échelle globale. Les moyens mis par l'Union européenne pour préparer cette intégration et mettre à niveau les Balkans occidentaux est importante. On parle de plus de 12 milliards sur la période récente. Alors, face à cette volonté de l'Union européenne d'ouvrir l'Europe à ces Balkans, depuis le sommet de Thessalonique, il y avait cette idée qu'ils avaient vocation à rejoindre l'Union européenne. On a des compétiteurs qui sont classiques dans toute géopolitique digne de ce nom. Alors je commencerai par celui qui vient plus loin, la Chine, qui n'est pas historiquement une nation intéressée par cette région, mais qui aujourd'hui l'est de fait, d'abord parce que ça procède d'une réflexion qui est à caractère stratégique. Le, les Balkans, c'est l'accès euh, privilégié, quelque part en dehors des routes maritimes, si on se concentre sur les, les routes terrestres, pour accéder à ce qui reste le premier marché euh, commercial chinois, l'Europe. Donc dans l'esprit euh, chinois d'une stratégie à un, à un niveau global, il y a des enjeux majeurs. Euh, on est actuellement, j'avoue que avant de préparé ce moment avec vous, j'ai regardé quelques chiffres, j'étais moi-même surpris de voir l'importance des investissements directs chinois dans les Balkans. C'est quasiment plus que ce qu'ils réalisent aujourd'hui en Europe occidentale. Sous réserve d'inventaire, ça paraît fou, mais en réalité, euh, à bas bruit, ces investissements au fil des années représentent des, des montants absolument spectaculaires. Bon, alors, pas seulement d'investissements directs, ça peut être aussi des, des achats, on se souvient du, du port du Pirée partiellement aussi Thessalonique. Euh, en dehors des, euh, des Balkans occidentaux, l'axe aussi ferroviaire euh, qui relie la, la Grèce à Budapest via la Macédoine représente aussi un, un investissement important. Le secteur énergétique, hein, avec les aciéries en Serbie, les centrales à charbon en Bosnie-Herzégovine, mais plus récemment, le secteur du numérique, les nouvelles industries, avec un, un centre de stockage de données en Serbie. Donc on voit bien qu'on est sur une approche aujourd'hui globale, pas seulement la route Belt and Road, mais également une approche beaucoup plus globale qui, qui, qui inclut les la nouvelle économie. Alors, autre acteur traditionnel dans cette région des Balkans, la, la Russie. Principalement, comme on peut l'imaginer, ça a été rappelé par le, le général, euh, la Serbie, pour toutes les raisons qui ont été évoquées. Mais au-delà de, de la Serbie, si on, on regarde les pays voisins, on a aussi euh, toute la question de l'approvisionnement en hydrocarbures. Euh, et là, ça ne concerne pas seulement la Serbie, ça concerne tous les autres pays euh, riverains, à travers le Turkey Stream et le, Balk le Balkan Stream, de la frontière bulgare à la frontière hongroise. Autre acteur historique, et également présent, la Turquie, qui, au lendemain de la chute, d'effondrement du, du mur de Berlin, était plus dans une logique dans les dix premières années qui ont suivi le, la chute de, de l'Union soviétique dans une logique d'aller euh, avec une posture assez euh, offensive en Asie centrale pas forcément de revenir dans les Balkans dix ans plus tard on voit un mouvement euh, non pas inverse parce qu'il y a toujours une consolidation de la présence turque en Asie centrale mais il y a une vraie volonté de prendre pied euh, dans les dans les Balkans euh, on le voit non seulement à travers les investissements, mais également à travers une politique de soft power, à travers les médias, à travers même les séries télévisées turques, à travers son agence de coopération, donc toujours dans le soft power, et également à travers les affaires religieuses qui sont une affaire d'État en Turquie, comme vous le savez. Depuis la guerre en Syrie, cette politique marque une pause, mais néanmoins, elle a été conséquente et elle est. Elle a été le, le résultat d'une décennie quasiment d'investissement. Alors, tout récemment, enfin, relativement récemment, on voit de nouveaux acteurs, encore plus éloignés traditionnellement de cette région, comme les pays du Golfe. Alors, on peut se dire que certains euh, ressortissants des pays du Golfe sont allés spontanément, par exemple, euh, passer des vacances en Bosnie-Herzégovine, parce que d'abord le pays est beau, et ensuite parce que la population y est euh, partiellement euh, musulmane, et que donc c'est une façon. De faire du tourisme en se sentant à la maison. Des investissements ont été consentis et importants aussi dans le domaine immobilier. Mais pas seulement. Les Émirats arabes unis ont racheté récemment la compagnie serbe Air Serbia. En Voïvodine, on voyait la carte tout à l'heure, vous avez des achats importants de terres par ces mêmes Émirats. Ces mêmes de manière plus spectaculaire aujourd'hui à Belgrade, il y a ce fameux. Euh, Belgrade Waterfront, qui est une espèce de petit Dubaï en perspective avec des investissements de plusieurs euh, de plusieurs milliards. Alors, je n'ai pas parlé d'un pays. Vous allez vous dire, c'est quand même curieux compte tenu de son importance. C'est les États-Unis. Pour une raison qui est simple, c'est que les États-Unis ne sont pas intéressés par les Balkans en tant que euh, d'un point de vue économique ou industriel ou même en termes d'échanges. Pour une raison qui est simple, c'est que c'est trop morcelé, les marchés sont trop complexes et c'est trop petit à la taille des États-Unis. En revanche, s'il y a un pays qui est attractif pour la quasi-totalité, en tout cas des, des, des pays balkans, euh, euh, ce sont les États-Unis via euh, l'OTAN. Je vous rappelle quand même que euh, cet élargissement, euh, il a concerné la quasi-totalité des pays, à l'exception de, de la Serbie, bien sûr, à commencer par l'Albanie en 2009, le Monténégro. Euh, en 2017 et la Macédoine du Nord en 2020. Euh, le Kosovo, euh, le général l'a rappelé, c'est de fait, sans être désobligeant à qui que ce soit, une forme de protectorat qui ne dit pas son nom. Donc on voit bien que là, les États-Unis ont une présence forte, massive, de sécurité et qui est un, un enjeu essentiel pour la région. Alors, je voudrais en, en conclusion, pour laisser la, la parole... Se... Se déployer et échanger avec vous, euh, faire un, un double un double constat. D'abord, si la Chine ça marche si bien, je pense qu'on est dans l'obligation de se questionner. Qu'est-ce qui fait que la Chine a une telle euh, attractivité vis-à-vis euh, -vis de, de ces pays Des sondages ont été faits et, et qui montrent que quelques, pour plusieurs pays de la zone, ils sont presque plus attractifs que euh, l'Union européenne. Alors, l'explication qui vient à l'esprit, c'est que euh, entre aujourd'hui où on se parle et le moment où on démarrait les processus d'ouverture et de négociation ou d'ouverture des négociations à l'Union européenne, il s'est passé presque un quart de siècle. Beaucoup de ces pays ont eu le sentiment que c'était un peu long, voire euh, que ça pourrait ne jamais arriver. Il y a eu plusieurs fois la porte s'est ouverte, elle s'est refermée en 2019, encore euh, récemment, et. Cette espèce de déception a en partie, si on est honnête avec soi-même, euh, nourri l'idée qu'au fond, il pouvait y avoir un moment où partout on entend parler d'un affaissement de l'Occident, d'un affaiblissement de l'Europe, de nos valeurs, voire même de nos positions en matière de sécurité. Euh, la guerre en Ukraine le, 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 le montre aussi cette idée qu'au fond, il fallait diversifier ses partenaires et que la Chine était un bon partenaire. Alors, on l'a vu dans d'autres géographies, je pense notamment à l'Afrique, un bon partenaire parce qu'il n'y a pas de conditionnalité. On ne regarde pas si ces investissements sont liés ou pas à des progrès en matière d'état de droit, de démocratie, etc. Ce sont des investissements qui sont consentis entre adultes, si j'ose dire, et on part du principe que c'est gagnant-gagnant d'un point de vue financier, économique, commercial. On a aussi une grande différence par rapport aux dizaines de milliards de l'Union européenne, qui reste le premier, bien sûr, partenaire commercial, économique des pays des Balkans, mais avec le sentiment que, on, quand on parle d'infrastructures, en fait, les Chinois sont plus réactifs, vont là où les pays récipiendaires souhaitent que les investissements viennent, avec des contreparties fortes de la part de la Chine, puisque ce sont des investissements qui sont généralement liés... À des entreprises chinoises, quand les Chinois eux-mêmes ne bénéficient pas euh, de financement européen, ce qui arrive malheureusement, et avec un certain niveau d'opacité sur euh, les conséquences d'un non-paiement. Alors, l'Union européenne, et ça sera le mot de la fin pour rester un peu optimiste, euh, n'est pas restée les bras ballants. Vous vous souvenez qu'en en décembre dernier, il y a eu un, un grand sommet à Bruxelles entre l'Union européenne, européenne et les six pays de, des Balkans occidentaux, qui, à la fois tenant compte de ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine aujourd'hui et la guerre russe, mais également de l'offensive très forte de certains pays que je viens de citer, il y avait peut-être urgence à réenvoyer des signaux forts d'accélération de l'intégration, quelles que soient les modalités. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième a été également la volonté... D'afficher et de, je l'espère, de décaisser davantage de moyens. On a parlé à ce moment-là de 6 milliards d'euros pour accélérer non seulement l'absorption de ces pays, mais également l'intégration de ces pays entre eux pour faciliter cette, ce mouvement et cette dynamique. Donc euh, le constat est là, les moyens sont annoncés. L'histoire nous dira si l'Europe aura réussi à contrer efficace, efficacement les, les principaux compétiteurs dont, dont je viens de parler. Voilà. thank you very much. i will now leave the floor to uh, simona cojocaru, secretary of state and director of the defense policy at the romanian ministry of defense. Uh, you will give us the southeast uh, europe vision from romania. good afternoon. Uh, first, i'd like to thank you for having me this afternoon in this extraordinary first edition of paris uh, defense and strategy forum. and thank you. You for being so numerous in the audience this afternoon for this important topic today, Southeastern Europe. I have to be very frank. Lastly, I have talked extensively about Black Sea security, and it's absolutely clear why. But Southeastern Europe is very much linked to the, to the Black Sea security, and I will, I will share with you a couple of considerations. Yes, thank you very much for setting the scene from a historical point of view. I will not talk about sultans in my intervention but I will talk very much about present times and yes general southeast europe is a region whose rich history is shaped by several cultural political and geographical factors it is a place where languages uh, religious culture ethnicities Met in a captivating microcosmos, if you like. It's absolutely very much interesting. However, this wonderful complexity has brought, as you said, struggles, challenges in the region's long history. And the bad news is that it's still fragile still complicated environment in the southeast europe especially western balkans and there are still a lot a lot of challenges southeast europe is still it's still the geopolitical crossroad, crossroads uh, between uh, the influences of the west and the east uh, i said and this is you know it's already a kind of rhetoric to, to, to repeat this uh, that Southeast Europe is still dealing with security challenges, old and yeah. new ones, based on distinct transitional trajectories of the states in the region, including nationalism, weak states, um, institution building, economic and political development so uh, that's why uh, i said, and uh, again, it's not a novelty, uh, the region is absolutely very much complicated. western balkans is a region that continues to be a hot spot. and we have seen recently at the end of the year throughout 2023 the violent events there. Uh, and uh, uh, these are, are just only demonstrating that the problems are there. They they just not disappeared, are still there. Uh, however, foreign interferences, as, as you as you mentioned earlier on, uh, and divisive rhetoric threaten to undermine the efforts or the gains by now uh, made towards peace and stability. This is absolutely a very important point because uh, this uh, foreign, uh, Interference is absolutely very, very damaging, if you like, of the efforts by now. Western Balkans is, of course, a strategic region of importance for a country like Romania and for European security, generally speaking. Um, absolutely, Romania is very strongly engaged in the security of the Western Balkans, and I'm talking here about operational commitment, both within EU and NATO. Right now, Romania is one of the most important contributors in U-4 Altea, for instance, in Bosnia-Herzegovina, and and also we had a strong presence in KFOR. Uh, by the way, we are very much ready to assume the force commander position in u Altea. After so many years of being there in, in, the, in the theater, in the mission, right now, uh, starting with 2023, Romania is having one Star Journal in the, in the mission chief of staff, which is such a victory. Uh, the opening of accession negotiation with Albania and North Macedonia in March 2020, as well as uh, Bosnia-Herzegovina being granted EU candidate status in December 2020, firmly prove that the Western Balkans, now and in the future, and I will say it once more: In the future, will be integral part of the European Community. Uh, by the way, just yesterday, Commission uh, proposed to open new accession negotiation with Bosnia and Herzegovina, and updated uh, progress on uh, Ukraine and Republic of Moldova status of candidacy. Uh, so, ladies and gentlemen, economic development is, however, impossible. Without enjoying the benefits of security and stability. And this is all about in the Western Balkans, in Southeastern Europe, economic development and the um, closeness, if you like, to the EU and also NATO. So joining international organizations such as EU or NATO should be based on the merits of the state, but we must also make sure that the citizens in that particular state now what membership means and which are the benefits these two organizations could bring to them to they to them uh, to their uh, way of life to their prosperity to, to their security and stability at the end of the day this is a process through which we all gone through So, I think it's important to help these countries to have a smooth societal transition to the EU and NATO. Moreover, uh, I think we all agree that Russia's war in Ukraine is not a limited project. This is a part of the grand strategy to remodel the geopolitical and security fundamentals in Europe this is not we saying this russians are saying this you, you have just to recall the declarations back in december 2021 prior to uh, initiation of the war of aggression in, in ukraine two years ago so for that moscow is using all the tools at its disposal in a whole of government approach using hybrid domain as you have already mentioned uh, propaganda, disinformation, cyber, cyber attacks, and, and uh, so on. Uh, and Russia is not using this uh, in Ukraine or in the extended Black Sea region. They are massively using, employing this kind of instruments in Western Balkans. Um, moreover, I would like to say that Russia seems. To to be um, you know foreseeing or, or wanting to preserve the, the current status status quo in the Western Balkans uh, and look look at the energy related issues uh, Russia Serbia and you mentioned the the influence of China in in the Western Balkans uh, very very important determinants in our thinking in relation to, to the region. Uh, an important direction, I will say it once more, in providing in 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 coagulating our unity and promoting security in the region is enlargement. This is one of the most important instruments at our disposal. Uh, but uh, as I remember we have been confronted several years with so-called enlargement fatigue. since the last country to join eu, correct me if i'm wrong, was croatia back in 2013, long time ago. slovenia first. yes, but croatia was the last one. Last one. The yes. however, it's, it's a long time. It's a long time. Uh, that's why we are also thinking that um, European integration of the Western Balkan states, as well as uh, the, the European integration of our partners, Ukraine and Republic of Moldova, are seen indeed, as the high representative Borrell said many, many times, as a geostrategic investment and a strategic necessity. Here we are this is a strategic necessity in order to ensure the region's safe future. Uh, however, we strongly back the decision taken uh, in december 2023 to open eu uh, accession negotiation also for ukraine and republic of moldova. regional cooperation is essential for the integration process, but it is even more vital in the long run uh, in order to achieve regional security. I will speak just two, two more minutes about uh, an initiative which I could bet you have forgotten. It is called Southeastern Defense Ministerial, SEDEM. SEDEM is an initiative, you know, the, the Sleeping Beauty type, long time forgotten. It was created. Uh, Long, long time ago, back in 1996, to help the countries at that time who wanted very much to join the EU and NATO, Romania being amongst these countries. Uh, and what is, what is very, very interesting and important also in relation to this initiative is that it includes Western Balkans, Southeast Europe, and Black Sea countries. 15 member states right now. Romania is holding the presidency for two years. We have just been uh, last, end of last year in Ankara for the ministerial meeting where Republic of Moldova joined as a full-fledged member. You could find there members like Ukraine, Turkey, Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, and I could go on. So it's a very interesting mix amongst southeastern europe and black sea region and you know why there is you know what is also seabrig southeastern brigade which is located uh, currently in kumanovo or north macedonia only once deployed unfortunately i would say in afghanistan back in 2006 romania would like very very much to revive a little bit this brigade six nations out of the 15 said uh, members are contributing: uh, Albania, Romania, Bulgaria, Greece, Turkey, and North Macedonia. All NATO members currently. Our plans is to link more these brigades to the command and control structures. Let's say in Romania, in Bulgaria, in other countries in Southeastern Europe, to bring a more effective contribution to the regional security and stability that's why i said that regional cooperation is essential for the integration process, which we all support very much for, for this, uh, these countries. and i think what is also very much important is not to forget the black sea region. black sea region is right now a vortex of challenges, of security challenges, of military actions, and what is happening in the Black Sea does not stay in the Black Sea, ladies and gentlemen. They, what is happening in the Black Sea is very much affecting the security and stability in the Southeastern Europe. I won't go longer because we have uh, two more speakers. I'm absolutely ready to share with you more about Southeast Europe and the Black Sea. Thank you. Thank you very much. Je vais maintenant laisser la parole à Martha de Sidrac, votre uh, sénateur, secrétaire de la commission européenne des affaires européennes, présidente du groupe franco-interparlementaire des Balkans occidentaux. Comment peut la coopération régionale entre les pays de l'Union européenne et les Balkans occidentaux peut-elle être renforcée Tout d'abord, je répondrai à votre question, bien évidemment. Mais tout d'abord, merci de cette invitation. Et je vais très rapidement me présenter, non pas pour le plaisir de vous dire qui je suis, mais pour que vous compreniez l'objet même de mon intervention. Je parlerai en français, comme vous pouvez le constater, pour deux raisons très simples. Je suis parlementaire française et je pense que nous avons une très belle langue qui mérite d'être promue. Donc j'y mets un point d'honneur la deuxième raison qui est beaucoup plus pragmatique, il va peut-être vous faire sourire, je n'ai pas un anglais suffisamment fluent, comme on dit en bon français, pour pouvoir m'exprimer pleinement en anglais, donc je vous prie de m'excuser par avance. Alors, euh, madame Staon m'a M'a présenté comme étant présidente effectivement du groupe d'amitié, je vais commencer par ce point-là, euh, du groupe d'amitié France-Balkans occidentaux au Sénat, qui regroupe les cinq pays aujourd'hui candidats hors Albanie, puisque nous avons un groupe d'amitié pays pour l'Albanie au Sénat ces cinq pays qui ont déjà été amplement rappelés par les intervenants qui m'ont précédé je les rappelle malgré tout ce sont évidemment la serbie la macédoine du nord le monténégro la bosnie-herzégovine et j'en oublie un le kosovo. donc cinq pays comme vous voyez avec une histoire à un moment donné commune, et je remercie le général Rachmadou qui nous a rappelé effectivement quelques siècles d'histoire balkanique, mais qui aussi sont issus directement du démantèlement de l'ex-Yougoslavie et avec tout ce que cela a pu entraîner en termes de difficultés ou autres. Mais je vais commencer aussi mon intervention par un paradoxe qui semble aujourd'hui... Euh, imprégner cette, cette région-là, qui est celui, en réalité, d'une espèce de forme d'euroscepticisme que l'on commence à constater dans cette région-là, alors que, alors que le plus gros investisseur, quand même, je pense qu'il faut le rappeler, reste l'Union européenne. Cela doit nous interroger, nous tous, collectivement. Moi, je suis profondément européenne, et je crois, cela a également a été rappelé, que la zone de, la, de cette région-là des Balkans a vocation un jour à rejoindre l'Union européenne. La question est de savoir dans quel délai. Des dates ont été rappelées, je vais en rappeler quelques-unes. Nous sommes en 2024, euh, nous avons euh, les deux pays les plus avancés aujourd'hui dans les démarches, puisque sur les 33 chapitres, beaucoup ont été ouverts pour le Monténégro certains même ont été cl euh, clos. Même chose pour la Serbie, le Monténégro, euh, depuis 2012 est quand même en processus d'adhésion vis-à-vis de, euh, vis -vis de l'Europe. Nous sommes en 2024. Donc nous, nous calculons en réalité ce temps-là en décennies. Vous comprenez bien qu'il peut y avoir une forme de lassitude, voire à un moment donné de doute sur la volonté de nous, Européens, de vouloir ou pas, d'ailleurs. À adhérer et à intégrer ces pays-là au sein de notre espace, au sein de nos valeurs, au sein de cette Union européenne dont on parle souvent. Et d'ailleurs, en plus, nous sommes dans une année électorale. On va beaucoup parler de l'Europe, bien évidemment. Et là-dessus, que s'est-il passé Il s'est passé qu'en 2022, à la porte de notre continent, Tra... Il y a eu une guerre, une guerre en fait qui nous bouleverse aujourd'hui tous et qui nous interpelle et nous interroge. Je vais vous raconter une anecdote. En février donc, 2022, lorsque la... la Russie a agressé l'Ukraine, j'ai eu dans la semaine l'ensemble des représentants des pays des Balkans occidentaux qui m'ont appelé ou écrit pour me dire. Madame de sidrac faisons attention, puisque tout de suite, beaucoup se sont manifestés, beaucoup de pays, en disant, bien évidemment, il faut soutenir l'Ukraine, mais peut-être faut-il, d'ores et déjà, réfléchir élargissement. Et tous se sont rappelés à moi en me disant, mais euh, nous, ça fait quand même 20 ans qu'on attend. Que va-t-il se passer pour nous que, que deviennent toutes ces valeurs, tous ces efforts, tous ces efforts qui nous sont demandés je prends l'exemple par exemple de la Macédoine du Nord, les accords de Prespa. Les accords de Prespa sur le nom, rappelez-vous, et puis euh, le général Rachmadou l'a rappelé, Monsieur Lebrun aussi a rappelé, nous sommes dans une région du monde, une région euh, de l'Europe où la mémoire est vive, où l'histoire est très prégnante. Et à partir de là, euh, on voit quand même que beaucoup de ces pays-là, j'ai envie de dire, même la majorité, ont envie quand même de faire des efforts. Donc je reprends l'exemple de la Macédoine du Nord, le nom Macédoine du Nord, puisque la Grèce s'y opposait autrement. Donc il y a eu les accords de Prespa. Plus récemment, il y a eu le différent avec la Bulgarie sur la minorité bulgare en Macédoine du Nord. Là encore, et beaucoup aussi grâce à la France qui, est, qui a intercédé dans ce sens-là, ben, la Macédoine du Nord a aussi montré cette volonté, bien évidemment, de rejoindre cette Union européenne, puisqu'ils ont fait des concessions. Donc tout ça pour dire que oui, il y a de la volonté, euh, oui, il y a, euh, je dirais, des avancées diverses, à des vitesses différentes, pour des raisons, parfois, j'ai presque envie de dire souvent, voire toujours, pour des raisons de politique intérieure inhérente à ces pays-là. Et c'est là qu'il faut que nous, nous nous y intéressions et que l'on essaye de comprendre véritablement quels sont les enjeux et les intérêts de ces pays-là. Moi, en tant que Française, je suis très, très sensible à ce qui peut se passer dans cette partie-là de notre continent européen. Quand on regarde la carte, on voit que vous avez une espèce d'arc autour de, de cette zone des Balkans occidentaux qui sont aussi des pays balkaniques. Je prends la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, je ne sais pas trop, mais allez, euh, on peut redescendre Roumanie, Bulgarie, et on voit, que, voilà, on voit bien que nous avons, la Grèce, une forme d'encerclement de cette zone-là. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé aussi euh, un jour, tout simplement. Je regarde la météo. Et je vois euh, à nos informations, la météo est présentée, on voit tous les pays d'Europe, et cette zone-là est représentée par un grand gris. Un petit peu comme si les pays n'existaient pas. Que les Balkans, finalement, on ne sait pas très bien les situer sur la carte aujourd'hui en France. Et en tant qu'Européens, je crois que nous avons une véritable responsabilité. Moi, en tant que parlementaire, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Je suis sénatrice, donc les territoires, le terroir même, j'ai envie de dire, est un sujet éminemment important, qui est aussi raccord avec la mémoire des peuples, avec l'histoire des peuples et avec ce que veulent devenir ces peuples-là. Quelques chiffres, cela a été rappelé par l'ambassadeur Lebray. Effectivement, on s'est rendu compte avec l'Ukraine que les Balkans étaient là, étaient à nos portes. Qu'est-ce qu'on en fait La question se pose aujourd'hui. Que faisons-nous aujourd'hui, sachant que nous avons l'Ukraine, nous avons la Moldavie nous avons aussi la Géorgie, qui est un peu plus éloignée de l'autre côté de la Ménoua, mais qui est également dans cette démarche-là. Ben je crois qu'il va falloir qu'on s'y attelle sérieusement, là, maintenant et tout de suite. C'est le sens du plan croissance que vous avez évoqué de 6 milliards qui a été voté à la Commission. 2 milliards, c'est important quand même de voir comment ils sont décomposés ces 6 milliards. 2 milliards qui sont de la subvention, donc de l'aide. Et vous avez 6 milliards, 4 milliards, pardon, qui sont en réalité des prêts avantageux pour ces pays-là, en fonction d'un certain nombre de critères liés, je vais le dire, au mérite de chacun des pays dans leur démarche d'intégration de, de l'Union européenne. C'est important, c'est important. Mais je mets ça aussi en parallèle puisque pas très long, il n'y a pas très longtemps dans le Financial Times, il y a eu un article qui évoquait les aides que la, commission, la même commission donc octroie, a décidé d'octroyer à, à l'Ukraine en l'espace de 7 ans. Sans rentrer trop dans les détails, on parle de 186 milliards d'euros. Donc je pense que ce sont des masses qu'il faut que nous ayons en tête en tant qu'Européens pour prendre la mesure de la réalité de ce qui se passe. Les besoins ne sont pas les mêmes, hein, de toute façon. Donc. Mais je pense que ce sont des ordres de grandeur qu'il faut que nous ayons en tête. Sur le volet aussi, investissement européen, et j'ai presque envie de dire français, allez, je, en tant que parlementaire français, c'est une liberté que je peux m'autoriser. Il y a quelque chose que l'on observe, c'est en fait l'enclavement de cette zone-là. Je ne sais pas combien d'entre vous ont essayé d'y aller, que ce soit pour des vacances, que ce soit simplement pour le travail ou pour le business. Euh, on voit que ce sont des pays qui sont difficilement accessibles. Moi, en tant que parlementaire française, je plaide pour le désenclavement et je crois que nos investissements doivent... doivent Aller dans un sens de désenclavement de cette région-là, c'est fondamental. C'est fondamental pour la région, bien sûr, mais pour nous aussi, Européens. Première chose. Deuxième, deux autres grandes voies qui sont fondamentales de mon point de vue, c'est en réalité toutes les démarches et là-dessus, la France, à travers l'AFD, a déjà euh, investi. Euh, c'est la démarche environnementale autour de tout ce qui est climat autour de tout ce qui est environnemental autour de tout ce qui est euh, approche de protection de ces zones là 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 j'ouvre une petite parenthèse il faut que nous ayons aussi en tête la géographie et la topographie de cette zone là nous sommes dans des pays profondément montagneux certains même parlent de, de réserves les réserves d'eau de l'Europe euh, je ne vous fais pas un dessin, vous savez bien que nous avons un sujet de l'eau qui est imminent. Le Parlement se saisira prochainement de cet aspect-là parce qu'il va y avoir des enjeux vitaux autour de l'eau. Je, je le dis, je le pose à votre réflexion. Je pense que c'est important. En tant que Française aussi, nous avons des entreprises très, euh, j'ai envie de dire, compétentes, avec une capacité forte de, de pouvoir apporter leur expertise à cette zone-là. Je pense évidemment tout ce qui est autour, bien évidemment, des, in des infrastructures environnementales, traitement des déchets, l'eau, euh, que sais-je, mais aussi autour de l'énergie. Troisième point qu'il ne faut pas négliger et pour lesquels les Balkans occidentaux et les Balkans dans leur ensemble, mais évidemment je focalise mon, euh, mon propos plus sur cette zone des Balkans occidentaux qui est souvent sous les radars, doivent être absolument pris en considération. Donc je crois qu'il y va de notre intérêt collectif que nous soyons du côté... Euh, que nous soyons balkaniques nous-mêmes, hein, dans l'Union européenne ou pas dans l'Union européenne, ou que nous soyons en dehors de euh, la sphère balkanique. Il est important que le continent européen puisse se reconnecter à lui-même. On ne peut pas aujourd'hui avoir un discours vis-à-vis d'une région un tout petit peu plus éloignée, qui est celle, évidemment, on ne le voit pas sur la carte, mais de l'Ukraine et de la Moldavie, qui sont voisins de cette zone balkanique. On ne peut pas l'ignorer et ne pas s'intéresser à ce qui est encore plus proche de nous géographiquement. Donc, je crois que ce sont des, des points qu'il faut que nous ayons en tête. Je ne veux pas être trop longue parce que je voudrais que le public puisse, d'une part, nous poser toutes les questions qui leur sembleront pertinentes et je ne voudrais pas trop empiéter sur l'intervention de mon voisin. Mais je vais, je vais m'arrêter sur un, une, à une autre question que je soumets à votre sagacité et à votre réflexion. Il y a quelques années, nous avons tous vécu comme un drame le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. On l'oublie, hein, le Brexit. Le Brexit, c'est à peu près 67 millions d'Européens qui nous ont quittés. Ce n'est pas rien. Aujourd'hui, si on met en musique et si on fait la somme d'Européens de, de futurs que nous pourrions absorber, avec l'Ukraine et la Moldavie, nous sommes à 65 millions à peu près de futurs Européens. Cela signifie quoi Cela signifie qu'en réalité, nous sommes dans des masses démographiques à peu près similaires. Mais, là où il y a un mais, et qu'il faut que nous l'ayons vraiment en tête, parce que ce n'est pas sans incidence pour nos économies respectives et pour l'Union Européenne, bien évidemment, ces 65 millions de futurs Européens, Ce n'est que 10% de la puissance économique de ce qu'était le, le, le royaume uni au sein de l'union européenne. donc je pense que ce sont des masses qu'il faut que nous ayons en tête. on ne peut pas véritablement répondre euh, par euh, ces noirs ou ces blancs et facilement à des questions aussi complexes. d'autant plus cela n'a pas été évoqué mais je pense qu'à travers vos questions euh, enfin je me ferai un plaisir d'y répondre il y a au sein même de cet espace balkanique des conflits comme celui du Kosovo et de la Serbie, qui sont de vrais conflits, difficiles parfois à comprendre pour nous, mais qui peuvent plomber une forme de stabilité dans la région. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais en conclusion, je dirais tout simplement, les Balkans nous obligent aujourd'hui à introduire beaucoup de nuances dans notre façon de faire de la politique. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est réel. On ne peut pas se contenter d'avoir de grandes positions. Euh, il faut introduire une forme de compréhension fine et une forme de nuance parce que chaque pays a ses propres spécificités. Je ne veux pas être plus longue, mais je répondrai bien volontiers à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Merci. Merci beaucoup. And now, our last panelist, Florent Parmentier. You are Secretary General of the Research Center of Sciences Po. Uh, what prospects for the Balkans? Merci, merci, Joséphine. Thank you very much to, to everybody. Uh, my warmest uh, thanks for uh, Sinopia and uh, the invitation on the panel, and, and also for the organization of the, the Forum Academ, which I hope you all enjoy. Um, as a last speaker, we'll try to um, be short and, and go to, to what is the most important uh, aspect of what can we expect from the region and, and, and see the kind of approach that can be developed with the foresight studies. Um, i think we should focus on three elements. first element is going to the assumptions. Then we need to take into account the different variables that we see and, and what kind of scenarios that we have, so that we can then have a discussion and an exchange uh, here about the the, the main aspects. Um, first of all, I won't go uh, in all the details of the classical assumptions that we have on the region because we have already dealt with that. Uh, the fact that uh, you have fluid identities uh, instead of uh, an homogeneous region. The fact that. Um, the region is famous for having some kind of reputation for eternal conflict. Um, but um, the Yugoslavian period, uh, post World War II, uh, was a period of peace in the region. Uh, the fact that um, in Europe you are generally very much attached to the intractability of borders. Uh, the fact is, uh, since 91, the borders of the region have been, have been largely redrawn. Uh, this is for the classical assumption that we can. Challenge, but need to be reminded. Uh, then, assumption um, when we think about foresight, it's about, um, I would say, testing our assumption. Testing our assumption, which means identifying the different vulnerabilities that we have in the region, in the context of, of course, uh, first of all, first and foremost, uh, you, the war in Ukraine, but also uh, the post COVID 19, because COVID-19 is a bit far away of what we, we have seen, but you can draw some lessons of the of, of the period. If you go to those different assumptions, then we we have to focus on the different variables of the region, uh, and and I will take more time for the different scenarios because I think that that's where we we should uh, take time to 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 discuss. Uh, first variable, it's about um, political instability in a region which, at the very moment, uh, is under uh, or suffer of the strained relations that we have on the continent. In a sense, it has been mentioned just before, there is a kind of enlargement fatigue in Europe, uh, which had been, uh, I mean, the, m the speech, that the discourse that we had for years. The thing is, it's 2022. Uh, we have seen the other way around. We have seen, I mean, the fact that Moldova, Ukraine were offered some prospect. The fact that uh, uh, it was like faster than what we have seen is both very good news for Moldova. Um, it's um, good news for Ukraine. But in at the same moment, uh, you may say that some countries in the region were not very favorable to the fact that there should be a fast track, compared with the long road that they have taken, uh, starting back in 2003. Uh, and I think I remember some uh, people, you know, uh, talking and saying, well, um, we are doing lots of internal reforms, but uh, we don't have any Russia that is going to attack us, so is it a problem if we want a fast track on European integration? That was uh, some kind of reaction that you could have in, uh, in Western Balkans um, on the last two years. So, so I think it's the, the, the enlargement fatigue goes with another fact, which we don't discuss a lot. Which is something such as a deepening fatigue, because I think France, obviously, has made a lot of—I mean—a sea change in its perspective about enlargement. Uh, France was seen as a main blocker of enlargement with uh, a speech, a discourse which was based on, well, we need first to make some internal reforms, and once we have done some internal reforms, we can broaden. Because we all know that we can't do something useful with 35 without reform, internal reform. Um, the fact is uh, the macron's bet uh, on this, starting with, i would say, bratislava's speech last year, was saying, okay, uh, let's take a different look. the fact is not we will try to um, deepen before we enlarge, but as we are going to enlarge, please help us to deepen at the uh, highest speed uh, the reform of internal, internal reforms. Of the European Union and the way it is functioning. If you don't do that, then uh, enlarging is not. I mean, a major addition to the European Union. It's a major chaos. You we don't need more chaos in the European Union. We need more organisation, which shows that. Lots. Uh, I mean, it's it, it will uh, of course be frustrating for different actors, uh, and we may understand that. But the fact is, uh, no. The, the the question is. I think the the. I would say the consensus toward more enlargement um, has been reached. The question is: Do we have more capacity to integrate all the different uh, states that uh, are in the Western Balkans? Plus uh, Moldova, plus Ukraine, plus potentially Georgia—that we shouldn't forget. Um, I think that uh, this political instability factor is, 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 is the main, is, is one of the one of the aspects, and um, we should expect the results of the european election uh, in uh, next june to know more about the current trends that we can see about public opinion in the different countries. that's for one variable. a second one, of course, is the economic and uh, the, the demographic dimension. Uh, most of the countries that we are um, discussing uh, are actually in a period of demographic contraction. Uh, which which might be a problem, uh, very different from what we expect. Uh, generally, in the West, in the 1990s, what we were afraid of is lots of people coming from uh, the Balkans, not being sure how we can handle all the all the different aspects with some criminal uh, networks. What we have actually now is countries which are aging a lot, and uh, in, in which um, the challenge for us is more like to be sure that. Uh, they can go freely within Europe and uh, within other European countries, EU member states, I should say, um, and be sure that if they, if they come back, they have a good opportunity. Uh, I mean, to be sure that they can come uh, in, a, in a positive environment. Um, that's that's, a, that's a major, uh, that's where probably European integration uh, would be the most efficient to be sure and to grant that uh, when you're a citizen of a country, you uh, can have a good life within your own country. that's the whole interest of the european union. so uh, what we imagined a few decades ago, like you be sure that during the enlargement, we should stop the different uh, flux of uh, population, is something which is different. and we, we, should, um, we should adapt to this um, perspective. Um, the third aspect uh, beyond demographic and economic uh, weaknesses, I share I mean, the point it has been said um, it, it's uh, it's not about like um, there will be competition uh, and we know that uh, with Ukrainian uh, agricultural products. Uh, and we know that not only it's not only the fault of Western European countries, it's also a matter of if you look what happens at the border of poland, if you look at what happens at the border of, U of hungary, slovakia, even romania, you have people who are saying, well, of course, we want U um, U ukraine within the european union, but uh, we should pay attention to the fact that it's probably popular for some um, aspects, but probably there will be some issues uh, to um, think about before actually enlargement uh, comes. I'll go back in my different scenarios. Um, third point: uh, it's about social identity and social and identity vulnerabilities. And here again, uh, I think that we should take into account we know that, that uh, there, are there have been lots of debates within Brussels to know that, well, there is enlargement fatigue, but the enlargement fatigue is on both tracks. Right, because um, if you were a young boy or uh, someone young in 2003, and then um, you are you are explained that well, um, the European Union will really integrate you, and you have you have been waiting for 20 years, and then nothing much happened. We can understand very easily why you know they are like okay. No, I'm not a young guy, but m someone in the middle age, middle age somewhere. It's uh, the perspective would be well, I mean. Uh, is it what we expected at the time so so and we can share this point uh, the fact is we should take this perception also into 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 as a reality like uh, of course if you look at the covid-19 uh, the eu offered much more help uh, than china and russia combined the fact is what was perceived is like uh, china granted some uh, some of its uh, vaccines, uh, the same with Russia and then the European Union were more like, like reluctant, whereas we delivered uh, lots of help, but it was not promoted as such. Um, so we are like, uh, we were like losing the battle for uh, public opinion, which is, uh, which is in this perspective uh, an essential product. I end with three, three scenarios and I'll be short on this. Uh, one scenario would be an acceleration of integration. Acceleration of integration. Why? Because you have some pull factors. Uh, of course, uh, Russia wars uh, against uh, Ukraine is uh, the, the, the central one. I mean, something which pushed lots of us. I mean, to to think differently about the region. That there is an emergency, so we should think about what we are going to do. The China's um, competition, an uh, economic term, is also something that we mentioned, and, and I, I don't go back to that. So there are some push factors and some pull factors for this, and uh, that's one scenario, like would I would say the optimistic one. A second one would be a declining prospect for EU integration, probably due to the fact that when you have an everlasting um, discussion, uh, you know, that's been there for decades, it's something the room, and then you know it's part of. It's like a furniture. It's there. It won't move any fast to any, any moment soon. And then, what what should be expected from that? And I think that this is the scenario of an unsatisfactory status quo. Um, uh, the the the, the, the third one would be finding some way about an effective regionalization. Effective regionalization can be seen if we don't um, play the same playbook as we used to do. But rather think about concretely what happened with the, the, the idea of a stage accession, uh, and stage accession actually offers different um, different possibilities in terms of if you do some reforms you are rewarded uh, not in the end of the process but rather as uh, different steps, and this can help. I mean to uh, I mean to be sure that we won't have. Uh, like what we call like another urban in the European Union, which means that you know you you have been integrated to the European Union, everything is fine, and then there is some kind of democratic decline from within, and you can't do uh, anything about this. And I think that's something we should uh, we should take into consideration. The idea that stage accession might be a kind of uh, way to get out of the trap of, well, are they in or are they out? I think reality is often more black, not as much black and white and more grey. So for the grey zone, I think it can help to break some stabilitocracy. And I end with that. Thank you very much.